réflexion que moi tiens ce que nous chaque nous fait autour de texture. Alors par contre, est-ce que tout le monde suit image Zanjan qui t'a rentré? Autour de ça, moi voulais que nous chaque nous essayons de faire une réflexion dans le moment ça, si Dieu lit à la recherche de moi pour confier une responsabilité au travail quelconque, ou bien pour y avoir un bagage quelconque, est-ce qu'il y a besoin de moi dans la position que moi t'a créé? Donc c'est une réflexion nous chaque, nous devons faire penser que l'enfer lit pas tous. En fait, nous présentons des excuses ensemble avec frère Innocent ainsi que sœur Ivani. Alors, nous n'avons pas gagné une chance pour nous prendre au matin, mais nous étions quoi? Dis-moi si Dieu le veut, il y a une possibilité pour que vous soyez capable de faire ce que vous devez faire. En fait, nous remettons ensemble avec frère Message pour continuer. Amen, bonjour à vous. Ou bien, vous pouvez aller là. Vous pouvez aller? On a les débats, grâce à ma frère Babius. Avec moi, avec vous, nous allons recueillir les dons de l'Assemblée, donc nous allons nous fumer dans nos jours, fumer dans la valise. Nous allons adorer le monde dans le cantine, nous jouons dans 195. Et tout de suite, si vous ne pouvez pas nous avoir vu, l'acte 70-195, je sois de la présence à l'Assemblée, chef des marques. C'est la compagnie. Thank you.
toi qui domines sur la terre, qui domines dans le ciel, qui règne de siècle en siècle. Nous disons merci Seigneur pour grâce, merci pour amour, merci pour fidélité, merci pour soyez dans la vie, mon Seigneur. Merci d'être ce que pour te permettre depuis le matin, nous t'es dans le lieu saint côté que nous t'avons adoré, nous t'avons pleuré, non, Seigneur, ou même qui mérite gloire, ou même qui mérite exaltation. Nous te merci pour grâce ça, Seigneur, parce que y a un pile monde qui t'a ramené dans le lieu ça, mais malheureusement, Seigneur, qui n'a pas trouvé dans place ça. Soit qui, Seigneur, marré, non, Seigneur, mais diable, ou bien qui couchait dans le cabane d'hôpital, mais nous-mêmes, ou pas nous, Seigneur, grâce pour permettre que nous sommes capables de nous dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'activité, Seigneur, que vous te permettez de réaliser. Et merci pour la présence sous qui nous mettons, nous, Seigneur. Merci pour la présence de cet esprit qui là, qui a mouvement. Merci pour la façon que vous avez animé les serviteurs. Et merci pour chaque monde qui te prend part dans ce service-là. Et pour la façon que vous avez utilisé, nous vous remercions, Seigneur. Et nous vous remercions, Seigneur, pour l'offrande qui t'a ramassé, pour chaque monde qui t'a contribué dans notre œuvre-là. Qui t'a connu que sans l'argent, eh bien, il est difficile pour le travail là. Faites encore plus bien. Nous vous remercions pour chaque ça qui t'a mis dans le problème là. Nous vous en prie, bénis-nous plus davantage. Et si là aussi, qui m'a des moyens, on nous en prie, Seigneur, mettez-nous en haut. Et prochainement, on peut avoir contribué au travail qui va marcher. Seigneur, nous approchons des bons et à un moment ça, et pour que nous puissions arriver dans le moment le plus important, pour que nous puissions entendre des paroles, et dans notre temps prie, Seigneur, et permettre que nous soyons capables de disposer, permettre que nous soyons capables de mettre nous disponibles pour tout le temps de nous parler avec nous, parce que paroles, et c'est nous-mêmes qui enseigner nous, c'est nous-mêmes qui convaincre nous, c'est nous-mêmes qui Seigneur, et changer le cœur, nous changer la vie. Nous voulons t'en prie, Seigneur, et de bâtir serviteurs de la chair et le sang, mais remplir avec le Saint-Esprit, afin que tout ça qu'il va dire, il va dire selon lui-même, mais selon que Jean, cet esprit dit-il. Nous remettons tout Seigneur à un moment ça, chaque monde, Seigneur, qui va attendre. Nous voulons t'en prie, Seigneur, qui est capable de jeûner aux paroles, qui est capable de nourrir nos mieux. Et pour toute la vie. Nous comptons sur vous, Seigneur. Nous bénissons, nous exaltons, nous t'en prions dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Abchita, et nous arrivons dans un moment. Maintenant, pour nous attendre la parole de bon Dieu, nous souhaitons que nous restions avec même l'esprit disposé lorsque nous avons adoré bon Dieu pour que nous attendions bon Dieu qui pourrait parler avec nous à travers le canal serviteur, pasteur. Philistin Metellus, pendant l'avancée, l'a demandé aux capables d'accueillir Saint-Esprit bon Dieu dans la ville à la gloire de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. Et trouvez-nous Matthieu chapitre 25, verset 14 jusqu'au verset 30. La vie comme ça. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, il dit, Seigneur,
Tu m'avais remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il serviteur inutile, jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Amen. Peuple sauvé, mon Dieu bénigne. Amen. En nous qui bénisse, soit l'Éternel. À la au grand Seigneur, au fidèle Seigneur, que bénit mon Dieu, la vie bénit mon Dieu, à vous le nom de Dieu matin, en jour, matin, matin. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Matin, nous sentons-nous contents pour que nous soyons capables de rejoindre nous dans la place. Côté que Dieu fait choix de nous pour porte parole de ta parole. Chaque dimanche, nous avons familiarisé nous avec d'autres gens qui viennent adorer avec nous. Il est tout à fait normal pour que nous soyons capables de dire qui est noyé. Non, c'est Médélus, un Philistin. Mon du Cap-Haïtien, plus particulière, commune pleine du Nord, peut-être si il y a des gens qui sont dans la même commune avec moi. Nous pouvons marier, mais nous sommes certains, Dieu est capable de changer le statut social. Ça. Nous sommes contents pour que nous soyons capables de nous, matin, hein, encore. C'est vite là. Lire un passage pour nous. Peut-être un passage qui n'est pas étrange pour nous-mêmes. Mais peut-être chaque prédicateur est capable d'interpréter d'une façon différente. À partir de lecture nous sommes faisant, Matthieu chapitre 25, du verset 14 jusqu'au verset 30e. Nous tirons un sujet qui a pour titre « La jeunesse, aimeriez-vous prendre la promotion dans l'œuvre que Dieu vous a confiée ?» La jeunesse, aimeriez-vous prendre la promotion dans l'œuvre que Dieu vous a confiée ? Puisque c'est le dimanche de la jeunesse, ce sujet a 2 volets. La jeunesse est capable de répondre de façon. Elle est capable de répondre d'une façon affirmativement et elle est capable de répondre d'une façon négative. Est-ce que jeunesse n'a pas animé en promotion dans le travail pour Dieu confié? Nous allons tirer 3 points essentiels dans ce passage-là. Premier point, les ouvriers vont évaluer par le maître en rendant compte de ses biens. Deuxième brillant, n'hésitez pas de travailler dans l'œuvre que Dieu vous a confiée, car ta récompense sera grande en Dieu. Selon Matthieu chapitre 25, du verset 20 jusqu'au verset 22e. Troisième brillant, soyez toujours fidèles dans l'œuvre de Dieu pour ne pas être rejetés par Dieu.
selon le verset 30. Yon parabole li tout à fait normal lorsque Dieu a parlé avec les disciples. Il a toujours parlé en parabole, mais qui a une grande signification. Juste avant que nous puissions entrer directement au profond de message, puisque nous parlons de Matthieu, nous allons parler peu de Matthieu. Qui était Matthieu? Matthieu, c'était le disciple de Jésus. C'est un pêcheur de poisson. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Et Matthieu présentait Jésus comme moi. Et tout autour de passage, nous parlons deux types d'évaluation. Premier type d'évaluation, c'est une évaluation terrestre entre l'homme avec l'homme. Et deuxième type d'évaluation, Dieu et évaluation céleste, Dieu à l'homme. Et nous allons finir par définir ce que nous-mêmes nous disons. Et nous allons parler de la promotion selon 1 Samuel chapitre 16 qui raconte nous l'histoire de David. Et Genèse chapitre 41 qui va parler nous de l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Tout autour de passage, non, l'histoire dit nous c'est un personnage, c'est un une personne qui possédait pas mal de biens. Mais qui n'a pas arrivé dans le moment où il est déplacé. C'est comme ça dit, c'est un Haïtien qui a quitté Haïti, qui a entré au Brésil. Maintenant, ça qu'il lui-même lui possédait, il voulait essayer de partager avec des hommes, avec des serviteurs. Mais nous parlons directement de trois serviteurs qui insultent directement, qui parlaient de parabole des talents. La Bible nous dit. Personnage ça, lorsqu'il prend le déplacer, eh bien, lui offrit première personne non, 5 talents. Ça nous avons dit aujourd'hui, en plus qu'il a vivre ici à Brésil, 5 reais. Lui présentait à deuxième serviteur 2 talents. Ça nous avons appelé aujourd'hui 2 reais. Et lui représentait à troisième personnage non, yon talent, ça nous avons dit yon reais. Et lorsque Maître Travail ça, il est de retour, et bien il parle les trois mouns pour venir bail compte de travail, il est de. C'est la raison pour laquelle nous disons que les ouvriers vont évaluer par le maître en rendant compte de ses biens. Maintenant, je vous le dis, toi ou ta, moi-même avec vous, n'a rien pour nous rendre compte à Dieu de ça, l'itébaï nous fait. Il y a un pile dans nous là qui a un pile talent, mais des fois nous cachons. Et très bientôt, nous allons le présenter devant le maître pour que nous rendre compte de ça que nous avons fait. Et lorsque maintenant l'a évalué, premier, c'est lui qui lui dit maître, effectivement, lorsque vous avez déplacé, ou te baye moi 5 talents. Maintenant, moi travaille avec 5 talents que vous te baye moi. Moi multiplie là mes 5 autres talents que moi ajouté sous lui. Dieu, ou bien même travail, ça dit, personne n'a dit, serviteur. Oui, serviteur. Moi content de dire que vous augmentez ou multipliez à 5 talents que vous te baye moi. Fini. Pour manger ensemble. Et si vous êtes fidèle dans ce bagage, je vais vous confier dans ce gros bagage. Ainsi de même, lire le deuxième serviteur, idem. Mais vous avez bah, deux talents, je travaille avec lui, je multiplie, je augmente deux. La même réponse que Dieu te bah, premier serviteur, lui donne la deuxième réponse pour deuxième serviteur. Maintenant, serviteur qui te laisse voir un talent, il était obligé de présenter devant Jésus. Ou il dit devant maintenant. Il dit maître, talent qui a été baillé, yon réas qui a été baillé. Moi, t'as réfléchi, moi, t'as pensé. Parce que c'est yon monde qui est très dur. Moi, pas obligé de travailler avec lui. Moi, fouiller un trou. Moi, serré là. Et voilà.